Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques exemples de l'enfumage permanent que la Macronie nous assène et avec presque délectation, on va dire. Premier exemple, il est beau, titre d'un grand journal français, je ne le citerai pas, je ne suis pas là pour faire sa pub. La France est désormais majoritairement à droite. Le titre, c'était il y a un ou deux jours. Donc, j'ai pris les résultats des élections législatives, qui représentent donc une élection nationale, et je vois qu'il y a 71% d'élus de gauche, 71%, la majorité, je crois, c'est 50 plus une voix. Et en nombre de voix exprimées, 68,80% ont été pour la gauche. Donc on voit bien que là, c'est la majorité totale des Français qui sont à droite. C'est ce que dit le titre du journal, sans que personne, à part votre serviteur, ne s'en offusque. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, Macron nous annonce, Borne aussi, que nous allons peut-être subir un hiver difficile avec des coupures d'électricité voulues. C'est pas pareil que quand, si vous voulez, ça surchauffe et que ça saute. Non, là, c'est eux qui vont couper, décider, tiens, là, on coupe 2 heures, là, on coupe 3 heures, etc. Ça représente des cacahuètes, faut le savoir, par rapport à l'aide que la France fournit à perte à l'Ukraine, qui se chiffre en milliards d'euros, alors que Macron a supprimé l'aide de 33 euros par an prévue pour une année, pour les retraités qu'il avait spolié l'année d'avant, mais que personne n'a vu, visiblement, je crois que les gens ne regardent même plus leur relevé bancaire, parce que c'est sur le relevé bancaire qu'on voit la baisse de 3,50 à 5% des retraites en 2021. En 2021 également, avant la guerre, la fameuse guerre là qui soi-disant nous prive de moutarde, va nous priver d'électricité, etc., tout ce qui est énergétique a flambé. Ainsi, le gaz, le fameux gaz, a presque doublé entre juin et août 2021. Je ne crois pas qu'à ce moment-là, on parlait de la guerre avec l'Ukraine, puisque ça a commencé en février 2022. L'essence a augmenté comme jamais. Le gasoil, le fioul, tout a augmenté. Avant février 2022, date de cette fameuse guerre, et j'avais signalé, ou dans des articles de certains de mes auteurs, ont signalé ce que coûte en France l'apport de nouveaux migrants ukrainiens qui, eux, reçoivent tout de suite des aides et des avantages que même des gens qui ont travaillé toute leur vie ici n'ont pas. Donc, si on veut que tout le monde ait de l'électricité pour cet hiver, il faut arrêter de balancer le pognon par la fenêtre et les armes, qui coûtent cher aussi. Et ça, personne ne le dit. C'est quand même un scandale. C'est un vrai scandale. C'est quelque chose qui fait que nous, Français, on est pénalisés par une politique de merde. Parce que c'est une politique de merde. C'est une politique idéologique qui n'a rien à voir avec une politique économique ou sociale ou ce que vous laissez, juste de l'idéologie qu'on applique à outrance. Et si vous vous amusez à aller sur le site, c'est gratuit, elysee.fr, vous avez tous les discours en ligne de Macron, soit écrits, soit vidéo, et là vous allez vous rendre compte que le type, il est complètement à gauche et qu'il applique l'idéologie classique de la gauche française, proudhonienne. Et ça, c'est vraiment infâme. C'est pas un pays comme la France ne peut pas se permettre de faire ça. Là, on vous parle de la crise, de serrer la ceinture. Mais ça fait 30 ans qu'on entend cette phrase que c'est la crise qu'il faut serrer la ceinture. Et en attendant, eux, là, le pouvoir, les politiciens, ils ne se serrent jamais la ceinture, ceux-là. Ils n'auront pas de coupure d'électricité, ils ont toujours les voitures avec chauffeur, les grands restaurants, les grands hôtels et tout ça. Donc, il faut arrêter cette politique qui consiste à brimer les gens. Hein, on veut supprimer les piscines, là, d'un coup, c'est un yo-yo, là. Hop, vite, supprimons les piscines et tout. Ça représente quoi, une piscine, par rapport à la gabegie de l'État français? Ça représente rien. Tout ça. Et puis d'abord, le gars qui se paye une piscine, il se paye l'eau, il se paye tout, c'est lui qui paye. Personne ne l'aide, il reçoit pas des tickets d'eau
On lui donnerait des dizaines ou des centaines de litres d'eau gratos. Non, le gars, il paye tout. C'est son plaisir, il fait ce qu'il veut. Hein. Alors, c'est aujourd'hui, c'est les piscines, les avions privés. Qu'est-ce qui va se passer en France? Bon, c'est la guerre, certes, classique du socialisme contre les riches, en parole. Hein, parce que, en vrai, vous inquiétez pas, c'est pas le cas. La preuve, c'est que les plus riches de France, ça, je vous le dis comme ça, soutiennent Macron. Les plus riches, hein. Quand je dis les plus riches, c'est même le plus riche qui le soutient. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les gens qui dirigent les grosses sociétés, les gros actionnaires et tout, ils vont partir de France. Ils vont se dire, on va pas rester dans un pays où on n'aura plus le droit d'avoir sa piscine, son avion privé et tout. Parce que un type qui fait 4 vols dans la journée avec un avion privé, vous croyez que c'est pour le plaisir? Mais pas du tout. C'est le gars, il travaille, il a besoin d'aller d'un endroit à l'autre le plus vite possible, il y va. Par contre, quand il y a un ministre, lui, qui prend un avion privé juste pour faire quelques kilomètres, histoire d'aller faire une course ou voter ou manger au restaurant, ça choque personne, ça, hein. C'est normal, ça, c'est normal. De toute façon, c'est pas lui qui paye dans ce cas-là. Que l'autre qui fait ses 4 vols, c'est son pognon. Il fait ce qu'il veut avec son pognon. Alors, si on en est là, en France, à entretenir cette haine du riche, hein, qui serait la cause de tous les maux, parce que quand vous entendez certains politiques, c'est ça qui se passe. C'est que si ça va mal, c'est parce que c'est la faute des riches. Mais ils ont juste oublié une chose. S'il n'y a plus de riches, il n'y aura que des pauvres. Et quand il n'y aura que des pauvres, on fera quoi dans le tiers-monde? Hein? Déjà qu'on est plus ou moins avec de graves problèmes, d'ailleurs plus que moins, migratoires, religieux, hein, dans un pays laïque, quand même, c'est assez bizarre. On fait enlever une Vierge Marie, une statue de la Vierge Marie d'un centre-ville, parce que ça choque. Et en attendant, pour le reste, là, on fait rien, hein, rien du tout. Et c'est ça le vrai problème de la France. C'est que pendant qu'on vous endort, hein, à grands coups de pipeau, là, le gars, il va commencer le 7 septembre, là, Macron, son conseil de la refondation. C'est le titre même de ce qu'il va faire prouve son échec. S'il a besoin de refonder, c'est que ça va pas. Et ben, il va rien refonder. Il va faire des tables rondes, il va faire sa promo comme d'habitude, parce que Macron, lui, ce qu'il veut, c'est occuper la scène médiatique, bien sûr. Et c'est tout. Le reste, il n'en a rien à foutre. Hein. Lui, ce qu'il aime, c'est faire des grands voyages, c'est se congratuler avec les hommes d'État des autres pays, c'est donner son avis sur telle ou telle chose. Et quand on s'est mis là dans cette situation avec l'Ukraine, complètement débile, parce que cette situation, elle est vraiment débile. Si on, un jour, quand les gens s'arrêteront et se diront, tiens, il faut qu'on réfléchisse à ça, ils se diront, mais comment on a pu être aussi bête? Aussi bête pour aller se foutre dans ce merdier, parce que c'est un vrai merdier, et ça arrange que le vieux Biden, là, qui est complètement sénile et gâteux. En fait, on fait une politique maintenant pro-américaine, on ne sait pas pourquoi, ce qui s'est passé. La gauche a toujours eu des démons, hein, et un de ces démons, c'est de paraître. Et pour cela, on fait n'importe quoi, et Macron, c'est ce qu'il fait. Il blouse tout le monde, lui, c'est un télévangéliste, un illusionniste. Il fait croire que ça marche, bon bah tant mieux pour lui, tant pis pour nous, mais c'est infernal, parce que là, on arrive dans des réalités qu'on ne connaissait pas. Hein, couper l'électricité volontairement aux gens, là c'est une réalité, et là c'est pas un truc anodin, c'est grave de chez grave. Et quand on ose vous dire, parce que je l'entends tout le temps, ça partout, « Oui, mais avec un autre, ça serait pas mieux, un autre n'aurait pas pu faire aussi bien, il faut voir ce qui se passe ailleurs, etc. » Non, 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 on n'est pas là pour voir ce qui se passe ailleurs, on est là pour voir ce qui se passe ici, et ici, ça va pas. Et c'est ça qu'il faut dire, hein, ça suffit maintenant. Et qu'à l'opposition, là, qu'est-ce qu'elle fait à part roupiller ou se goberger parce qu'il représente quelque chose, mais il représente plus rien, ces gens-là. Celui qui représente, c'est celui qui a le pouvoir. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et je vais vous sortir mon traditionnel proverbe hindou que je trouve formidable, pour conclure. Pourquoi s'en prendre à la flèche quand le tireur est présent? Et là, le tireur, c'est Macron et personne d'autre. Donc, on est dans un système complètement anesthésié, complètement ratiboisé de bisounounours à la con, hein, où il faut pas dire ça, faut pas faire ça, faut pas faire de vagues, faut truc, machin, et en attendant, nous, on se fait laminer, détruire, et j'avais écrit un article, hein, ça s'appelle 2026, l'année où, et ben relisez-le, parce que on y est là,
Et ça va aller très, très vite. Vous savez, c'est un peu comme quand on sent l'odeur de la fumée, on sait qu'il y a un incendie, ça brûle, et ça brûle très vite. Là, on est en plein dedans. Je ne sais pas si on va pouvoir arrêter la machine infernale, mais au moins, ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux être averti. C'est ce que je fais aujourd'hui, je vous avertis. On est mal, on est même très mal. Allez, à bientôt, merci et bonne semaine.